Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, veuillez nous excuser pour ces 4 minutes de retard, les aléas du direct qu'il faut évidemment gérer dans l'urgence. Nous avons des soucis de connexion avec nos intervenants. On espère que ça va être réglé au fil de la séance. Pour l'instant, sur les deux intervenants, il y en a un qui a du mal à nous entendre et à se faire entendre. On va quand même démarrer notre webinaire comme convenu. Donc tout d'abord, bienvenue à ce 11e webinaire proposé par Investil Bordeaux depuis le début de la crise sanitaire. Un webinaire sur le thème de la gestion des ressources humaines en période de crise. En tant qu'agence de développement économique, ce sujet, qui est bien sûr le vôtre, est au centre de nos préoccupations. Durant 9 semaines, l'économie française, pour ne pas dire mondiale, a été paralysée. Quelles conséquences de cette crise sur le marché des offres d'emploi et sur la gestion RH? On observe des différences très fortes selon les secteurs d'activité. Les plus exposés, que sont l'hôtellerie-restauration, le secteur du spectacle et du divertissement, le commerce non alimentaire, de détail, la construction, mais aussi l'automobile et l'aéronautique, ont été très fortement impactés, voire pour certains, temporairement à l'arrêt. Les offres d'emploi des cadres au niveau national ont chuté de 40% en un mois, selon les chiffres publiés par l'APEC fin avril. Dans le même temps, la plateforme Mobilisation Emploi, mise en ligne par le gouvernement et Pôle emploi, recensait courant avril plus de 10 000 offres d'emploi à pourvoir, dont 1 200 en Nouvelle-Aquitaine, dans les secteurs identifiés comme prioritaires et indispensables à la vie de la nation. Les secteurs de la santé, agriculture, agroalimentaire, transport, logistique, aide à domicile, énergie et télécommunications recrutent pour répondre à la crise du Covid. Dans les entreprises, le télétravail a été généralisé et les protocoles de production adaptés pour répondre aux nouvelles règles sanitaires. Aucun territoire n'a été épargné. Alors, qu'en est-il pour la Gironde? Nous vous proposons ce matin un zoom sur notre territoire girondin, 2 semaines après le début du déconfinement. Un premier bilan rétrospectif de l'impact de la crise économique sur le marché de l'emploi, les perspectives qui se dessinent et les services qui peuvent être apportés aux entreprises. Et le cas concret d'une entreprise girondine, Cdiscount, leader français du e-commerce. Pour y répondre, nous avons donc le plaisir de recevoir Benoît Meyer, directeur territorial Gironde de Pôle emploi, et Nathalie Estrada, DRH de Cdiscount, qui nous escortera, on l'espère, son témoignage et nous expliquera comment elle a fait face à la crise sur le plan des RH et comment l'activité de l'entreprise s'est adaptée au contexte d'urgence sanitaire. Vous aurez la possibilité, bien sûr, pendant tout ce webinaire, de poser vos questions. Alors, question en lien avec le sujet qui nous occupe ce matin, peut-être est-il nécessaire de préciser que les questions du chômage partiel ne seront pas abordées ici puisque le sujet est géré par Pôle emploi. Voilà, sans attendre, je leur laisse la parole et c'est Benoît Meyer qui commence. Je vous dis à tout à l'heure. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être avec vous ce matin pour échanger sur les questions de RH en général, recrutement plus particulier. Je m'appelle Benoît Meyer, je dirige Pôle emploi en Gironde et je vais introduire en attendant que Nathalie Estrada puisse participer avec nous. Pôle emploi en Gironde, quelques éléments. Notre activité, vous le savez, c'est d'abord d'accompagner les demandeurs d'emploi dans leur recherche, de les indemniser, de leur verser leurs allocations. Et également, nous disposons de conseillers spécialisés sur le conseil aux entreprises pour faciliter les actions de recrutement, de formation des entreprises et de tous les employeurs qui sont amenés à recruter. Alors, mon intervention va s'arc autour d'une part des constats et de ce qu'on a pu observer depuis le début de cette crise, depuis la mi-mars. Ensuite, les quelques premiers enseignements qu'on peut en tirer la situation qu'on connaît aujourd'hui suite au déconfinement. Mais c'est vrai qu'on n'est pas encore à l'heure de pouvoir faire
des bilans importants, mais de commencer à voir poindre quelques tendances. Et enfin, ben, peut-être échanger avec vous, soit au travers des questions, soit après, sur les services d'appui que peuvent vous apporter Pôle emploi dans cette période particulière. Alors d'abord, les dernières semaines, ces semaines d'une crise qu'on n'a jamais vue, d'une économie qui s'est arrêtée d'un seul coup le 15 mars, qui s'est arrêtée dans beaucoup de secteurs, mais pas dans tous. Peut-être se rappeler que jusqu'au 15 mars, on était dans une situation plutôt de baisse de chômage, d'activité économique plutôt en expansion et de tension sur le marché des recrutements, ce qui nous amenait à travailler avec les entreprises pour trouver des solutions sur la manière de trouver les compétences et les talents que recherchent les entreprises. Cette situation, évidemment, s'est arrêtée d'un seul coup par le fait que les recrutements se sont arrêtés pour grande partie, pas complètement. On évoquait que le marché des cadres a chuté de 40%. Le marché du recrutement en général, en Gironde, s'est affaissé de plus de 50% en quelques jours par rapport aux mêmes périodes de l'année passée. Alors, ça s'est traduit sur les chiffres du chômage par une hausse du chômage à la fin du mois de mars, hein, et on attend dans quelques jours les chiffres pour le mois d'avril qui devraient évidemment confirmer cette tendance. Des chiffres du chômage qui ont augmenté du fait d'un plus grand nombre d'entrées au chômage ou de changements de catégorie, comme on dit, de personnes qui étaient pour beaucoup en contrat d'intérim, qui étaient pour beaucoup en CDD et dont les contrats se sont achevés et n'ont pas été renouvelés, ce qui fait qu'ils se sont retrouvés en situation de chômage immédiat. D'un autre côté, on a évidemment eu moins de sorties vers l'emploi que ce qui se faisait habituellement, et donc on a connu une baisse de 22% des retours à l'emploi sur le mois de mars, ce qui, de fait, avec plus d'augmentation des entrées et de fortes baisses des sorties, nous a amené à avoir une augmentation du chômage qui reste limitée pour l'instant. Et ça, on va pouvoir y revenir si vous le souhaitez, qui reste limité, vous le savez, parce que c'est déployé à grande échelle l'utilisation du chômage partiel par les entreprises, qui s'est mis en place très vite, mais avec une montée en charge également progressive, puisque à la mi-avril, 50% des entreprises de Nouvelle-Aquitaine étaient utilisatrices du chômage partiel. C'est aujourd'hui près des deux tiers des entreprises qui recourent à ce dispositif, évidemment de manière différenciée selon les secteurs d'activité, à près de 90% dans l'hôtellerie restauration, mais beaucoup moins évidemment dans les secteurs de l'agriculture par exemple. Les derniers temps, évidemment, se sont traduits par de fait une baisse de l'activité économique, hein, de l'ordre d'un tiers, et je le disais, par une baisse forte des recrutements. Là encore, pour reprendre deux secteurs à l'opposé, le secteur de l'agriculture est celui qui a vu le moins baisser ses demandes de recrutement. De fait, les cultures n'attendent pas, donc il a fallu qu'on puisse aider le secteur à recruter et à continuer à le faire. Et d'autre côté, évidemment, le secteur de la restauration qui a totalement stoppé ses besoins de recrutement. Et entre les deux, une grande majorité des secteurs qui se retrouvent entre une baisse de 50 à 60% des besoins de recrutement. On l'évoquait au démarrage, un certain nombre de secteurs dits prioritaires ont fait l'objet d'une attention particulière. Dans ces secteurs, on va retrouver évidemment la santé, le commerce, particulièrement le commerce alimentaire, le transport logistique, le nettoyage, la sécurité, des secteurs qui ont continué à recruter, mais malgré tout avec une baisse de leur demande sur la période. Alors, quels enseignements est-ce qu'on peut tirer de ces premiers constats? D'abord, peut-être dire un mot du chômage partiel. Alors, contrairement à ce qu'on disait tout à l'heure, ce n'est pas Pôle emploi et
qui gère le chômage partiel, c'est les services de la Direct. Et donc, je n'aurai pas d'éléments à vous apporter si vous avez des questions sur ce sujet-là. N'empêche que c'est un point essentiel, c'est-à-dire que la mobilisation forte et inédite du chômage partiel sur la période doit nous permettre de limiter l'augmentation du chômage, les difficultés pour les personnes qui sont en emploi, de permettre aux entreprises de passer cette période difficile sans activité pour garder leurs compétences et relancer leur activité autant que possible. C'est vraiment quelque chose d'essentiel parce que c'est un dispositif qu'on avait moins mobilisé dans la précédente crise et qui aujourd'hui doit permettre de limiter les dégâts sociaux et économiques autant que possible. C'est un point important. J'insiste dessus parce qu'avant de parler recrutement, avant de parler chômage, il faut se dire que dans les entreprises qui sont en dispositif de chômage partiel, les compétences restent dans l'entreprise, les mobilisations également. Et donc, j'invite les uns et les autres, chaque fois que ce sera possible, à bien réfléchir avant de se séparer des personnes qui aujourd'hui bénéficient du chômage partiel, parce que bah, d'une part pour les personnes, d'une part pour permettre à l'entreprise de continuer son activité, et d'autre part parce que recruter, c'est toujours un dispositif exigeant, un dispositif qui est coûteux en termes de temps, en termes d'intégration, en termes de formation, qui peut connaître des échecs. Et donc, sans doute, il faut pouvoir, lorsqu'on est en entreprise, peser les éléments entre la nécessité, à un moment donné, peut-être, de se séparer du personnel et l'idée que peut-être dans quelques semaines, dans quelques mois, on sera amené à nouveau à recruter et que voir si on ne peut pas continuer à mobiliser ce chômage partiel dans cette attente. Depuis le déconfinement, depuis le 11 mai, les recrutements semblent repartir doucement, mais ils semblent repartir dans la plupart des secteurs. Les entreprises nous confient leurs offres et on a une augmentation de 10 à 15% d'offres d'emploi chaque semaine depuis 3 semaines, ce qui est plutôt encourageant, tout en disant qu'on n'est pas revenu du tout encore au niveau qu'on connaissait en début d'année sur ces éléments-là. Sur ces secteurs d'activité qui recrutent, je le dis, la plupart recrutent. Évidemment, les commerces qui ont rouvert font partie de ceux qui s'adressent le plus à nous. J'évoquais le secteur de la sécurité qui, lui aussi, est mis à contribution avec le redémarrage de ces activités. Certains secteurs sont moins repartis pour l'instant. C'est le secteur de l'industrie, évidemment, de l'hôtellerie-restauration qui attend les prochaines annonces. Et également le bâtiment qui reprend son activité sans pour l'instant faire appel à nos services. Du côté des demandeurs d'emploi, sur toute la période, on a pu continuer à répondre aux besoins de recrutement qui existaient, certes moins forts, mais qui existaient tout de même dans les différents services. Et ça a été un élément plein d'enseignements. D'une part parce que les entreprises qui avaient besoin de recruter, finalement, ont trouvé des candidats motivés, disponibles pour venir. Et dans les conditions de la crise de mars-avril, ce n'était pas celle d'aujourd'hui, on a eu beaucoup de demandeurs d'emploi motivés qui étaient prêts à changer de métier et à aller sur ces métiers qui, la plupart du temps, étaient des métiers peu qualifiés et donc prêts à aller porter appui aux entreprises qui recrutaient. Ça a été un point important. Et à Pôle emploi, nous avons travaillé pour sensibiliser les demandeurs d'emploi, créer des viviers pour répondre aux besoins des entreprises. Ça, c'est un point important sur la motivation. Sur les éléments qui étaient mis en avant et qui sont toujours mis en avant par les demandeurs d'emploi, l'élément des conditions d'hygiène et de sécurité sanitaires qui sont proposées par les entreprises sont un préalable indispensable pour pouvoir attirer du personnel dans son entreprise. C'est un point important, c'est une condition
nécessaires pour pouvoir recruter. À Pôle emploi, systématiquement, on fait le point avec l'entreprise qui cherche à recruter pour voir si les conditions sanitaires ont fait l'objet d'une réflexion, si du matériel est mis à disposition, si les référentiels des différents secteurs d'activité sont bien connus et appliqués. C'est un point important et j'attire votre attention puisque une récente enquête de la CCI montre qu'environ 50% des entreprises aujourd'hui n'ont pas pu travailler, mettre en place une réflexion sur ces protections sanitaires qui, pour le coup, sont un préalable au recrutement. L'autre élément important à avoir à l'esprit, c'est que les conditions sont perçues par les demandeurs d'emploi comme plus risquées, d'ailleurs par les salariés en général, on y reviendra peut-être. Et donc, comme ces conditions sont perçues comme plus risquées, les demandeurs d'emploi sont dans l'attente d'une certaine contrepartie à la prise de risque qu'il y a à exercer certaines activités ou à revenir exercer. Et donc, chaque entreprise à la fois doit pouvoir mettre en place des conditions sanitaires, mais également valoriser les métiers qu'elle propose. Ça peut faire l'objet soit de conditions salariales plus avantageuses que par le passé, soit d'avantages particuliers, soit lorsque c'est le cas est possible, de l'utilisation régulière du télétravail qui a pris une importance toute particulière depuis quelques semaines. L'autre enseignement sur les recrutements des dernières semaines, et on a traité à Pôle emploi Gironde 9000 besoins de recrutement sur mars-avril. Sur ces recrutements, finalement, les entreprises n'ont pas eu plus de difficultés qu'auparavant à recruter, pour celles qui recrutaient, notamment parce qu'elles ont largement ouvert leurs critères de sélection. La question était à recruter en urgence, la question était à pouvoir intégrer du personnel très rapidement. Les entreprises se sont adaptées, comme toujours, pour faire des entretiens à distance, limiter les déplacements sur la période où c'était difficile, et puis finalement embaucher des personnes et voir sur pièce, voir dans la réalité comment les personnes se comportaient au travail et donc à faire tomber un certain nombre de préalables, de critères de sélection, ce qui a largement facilité les embauches et ce qui là aussi est un enseignement qui permet de se dire que si on utilisait ce type d'approche plus régulièrement hors période de crise, c'est-à-dire le fait de donner sa chance à un demandeur d'emploi, de le mettre en situation de travail, bien souvent ça permet de trouver des solutions là où souvent on trouve des recrutements difficiles. Voilà pour ces quelques éléments. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire en termes de prospective? Peu de choses parce que les entreprises vous-même avez peu de visibilité sur les mois qui viennent et donc c'est vous qui connaissez le mieux votre marché. Les études qui sont réalisées ici ou là montrent que environ 8% des entreprises pensent réduire leurs effectifs dans les prochaines semaines ou les prochains mois. C'est à la fois peu et en même temps, ça peut concerner beaucoup de salariés. Donc ça, c'est une première tendance identifiée. La deuxième tendance, c'est que les entreprises qui reprennent leur activité, seulement 5 ou 6% d'entre elles considèrent que les difficultés de recrutement peuvent limiter leur reprise d'activité. Mais peut-être qu'au travers de vos questions ou de vos interventions, vous nous en direz plus sur ces éléments-là. Donc voilà un peu le point qu'on peut faire aujourd'hui, un point très, très fragile puisque une situation en permanente évolution. Et ce que je vous propose, c'est d'évoquer plus tard les services que Pôle emploi peut vous apporter dans l'appui au recrutement. Et soit Nathalie Estrada peut intervenir si la technique fonctionne. Sinon, peut-être qu'on peut prendre des questions. Bonjour, j'espère que vous m'entendez. Très bien. Parfait. Mais écoutez, je suis ravie aussi d'être parmi vous. Donc, je suis Nathalie Estrada, la DRH de Cdiscount. Je suis ravie d'être avec le Pôle emploi et Invest in Bordeaux parce que ce sont des partenaires historiques de Cdiscount avec lesquels nous travaillons. Et j'ai été ravie qu'ils me sollicitent pour partager mon expérience en tant que DRH. Cette gestion de crise, comme je le disais, je le partage avec eux,
Chacun d'entre nous a une expérience différente qui est liée à notre activité, à notre entreprise. Donc, j'espère que voilà, notre expérience Cdiscount va vous parler, même si elle ne reflète pas toujours ce qui s'est passé pour toutes les entreprises. Avant de commencer, je vais juste vous préciser ce qu'est Cdiscount pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, Cdiscount, on est le leader français du e-commerce. On est résolument aquitain, puisqu'on a été créé il y a plus de 20 ans, en 98, à Mérignac, et qu'on est toujours basé en Aquitaine. On pèse à peu près 4 milliards de volume d'affaires. On a environ 22 millions de visiteurs uniques par mois qui viennent sur notre site, 9 millions de clients qui viennent aussi voilà, acheter sur notre site, plus de 50 millions de références. Donc, on trouve des produits, on est un généraliste. Et ce qui est important à vous donner comme information, nous sommes plus de 2000 salariés. Je vais les répartir entre la logistique, donc nos entrepôts, et ce que je vais appeler les sièges sociaux, tout le reste de nos activités, parce que ça aura son importance dans la description que je vais faire de la gestion de crise que nous avons eu à mener ces dernières semaines. Ce qui est important à préciser, c'est que nous n'avons jamais arrêté notre activité. Cdiscount, on fait partie des entreprises du digital, du e-commerce donc en ligne. Et effectivement, en raison du confinement, les Français, vous tous, moi, tous, on a eu tendance à se tourner vers le e-commerce et nous avons dû, nous, adapter notre offre à cette situation de confinement. Donc, dès les premiers jours, nos offres aux besoins français, aux besoins immédiats, qui étaient surtout l'alimentaire, évidemment, vous vous en doutez, ça a été immédiatement l'alimentaire où nous avons augmenté notre offre, mais également, on a aussi pu augmenter notre offre sur l'hygiène, sur les produits d'animalerie, parce que c'était des demandes fortes des clients français, mais aussi très rapidement, ça c'était les besoins premiers, mais les besoins ont évolué vers les produits informatiques liés au télétravail, mais liés aussi aux enfants qui étaient présents à la maison, qui devaient suivre des cours à distance. Également, tous les sujets liés à la continuité pédagogique, au jeu, au ludique pour occuper les enfants. Donc, grâce à cette activité, nos vendeurs, on a plus de 12 000 vendeurs, dont 5 000 sont des TPE et PME françaises qui, pour la plupart, ont dû fermer leurs magasins, mais ont pu continuer à vendre sur Internet. Et donc, on a voilà, le plaisir de vous dire que pour la plupart d'entre eux, ces entreprises qui étaient sur notre site ont connu 60% de croissance. Donc, on voit qu'elles ont pu bénéficier du trafic sur le site. Et dès le début de la crise, on a accompagné aussi des entreprises pour qu'elles puissent rentrer sur notre site. Elles n'avaient plus de pas de porte, plus de magasins, mais elles pouvaient continuer à vendre sur Cdiscount. Donc, voilà ce que je pouvais vous partager sur l'activité. Et je vais maintenant rentrer plus sur ce qui vous intéresse sur la partie RH, c'est comment on a géré cette période de confinement, évidemment cette période qui a bousculé nos fonctionnements RH. Donc comme je vous le disais, nous on a séparé nos activités entre sièges sociaux où j'ai plus de 1800 personnes, entre mes CDI, CDD et les prestataires, et les entrepôts, avec nos entrepôts historiques à Cestas et à Canéjean. Comment décrire ce qu'on a vécu mi-mars? Vous avez cité tout à l'heure le 15 mars comme date. Ben nous, on s'en souvient en RH. Hein. Ça a été un sacré week-end, puisqu'effectivement, ça a été une mobilisation exceptionnelle de l'entreprise, de tous, pas que des RH, mais les RH étaient à la manœuvre. Donc, on a eu un rôle clé, la fonction RH, pour accompagner, évidemment, les salariés et le management dans cette crise. Ce qui est important de préciser, on a parlé du télétravail. Cdiscount, on a mené une expérience de télétravail en 2019. Donc, on était déjà un peu aguerris. On était déjà prêt, puisqu'on avait déjà plus de 300 personnes qui avaient travaillé en télétravail. On connaissait les outils, on connaissait les sujets manageriaux à gérer à distance. Et on venait de signer, la chance, on venait de signer un accord avec le syndicat pour passer 70% de nos sièges sociaux en télétravail. Donc, on a été aussi aidé par cette actualité, on va dire, en termes d'accord d'entreprise. Et dès les premières avancées de la maladie, des annonces du gouvernement, on a pris des mesures très fortes d'anticipation. Je vais vous donner des exemples. On a commandé des PC complémentaires et ça avant les annonces de confinement. On s'est dit, ça y est, ça arrive, donc il faut qu'on ait des PC. On a accru nos capacités sur nos systèmes de VPN. C'est-à-dire que l'informatique a tout de suite travaillé avec nous et a accru les capacités. On a fait des tests de charge grandeur nature. On a demandé à tous nos salariés de se connecter certains jours pour monter de 400, 500, 800, 1000, 1200 salariés connectés en même temps pour être sûr que le jour où on passe tous en télétravail, nos systèmes tiennent la charge. Je leur ai également demandé à tous mes salariés des communications pour qu'ils partent le soir avec leur PC, pour qu'ils testent toutes leurs connexions à distance et qu'ils me donnent, alors évidemment je le gère avec confidentialité, tous leurs téléphones
mobiles personnels pour que je puisse les contacter avec mes équipes au plus vite au besoin. Donc, le week-end du 14-15 mars, eh bien, c'est ce qui s'est passé. On a pu envoyer un SMS à tous nos salariés en leur disant « Connectez-vous sur vos webmails et vérifiez toutes les com RH. » Et dans les com RH, ben, on leur a donné toutes les règles qui étaient prévues par le gouvernement, mais aussi ce que nous, on allait faire. Et notamment, on leur a dit « Ne venez pas au travail pour ceux qui sont déjà dotés du PC et pour lesquels ça marche. Et lundi matin, ne viennent que ceux qui ont un problème et qui ont besoin de récupérer des PC. » Donc, on n'a que 100-150 personnes qui sont venues, c'est vous dire si on avait bien anticipé. Et ce qui fait que le lundi soir, on a pu fermer, tous nos sièges sociaux étaient fermés le lundi soir, le jour du, la veille du confinement qui démarrait en mardi, si vous vous en souvenez. Donc, nos sièges sociaux étaient fermés et dès le matin, les équipes travaillaient en télétravail sans problème. Donc ça, c'est vrai que ça a été une fierté, côté siège social. Côté entrepôt, là, c'est le cœur battant de ces disputes, vous en doutez. Pendant tout le week-end, c'est pareil, les équipes RH, hygiène et sécurité, services généraux, management, on a été mettre en place des mesures visibles et sécuritaires. La priorité de l'entreprise, c'était la sécurité des salariés. Donc, c'est des choses toutes bêtes. Hein. C'est arrêter les tourniquets d'entrée, ouvrir toutes les portes, mettre des balisages, des rubalises pour les sens de circulation, les distanciations sociales, tous ces sujets, les affichages, les gestes barrières, tout ceci a été mis en place dès ce week-end-là, ce qui fait que le lundi, là aussi, là où les salariés pouvaient être anxieux de revenir, l'entreprise était vue comme le lieu de tous les dangers. Finalement, c'était l'entreprise qui était le lieu des dangers, alors même qu'aujourd'hui, nos salariés nous disent que finalement, c'est plutôt le lieu où toutes les mesures ont été prises pour les protéger, voire plus que parfois dans leur vie quotidienne et dans les interactions qu'ils peuvent avoir au quotidien par ailleurs. Donc ça, c'est notre grande fierté, ça a été le démarrage. Donc ça, c'était vraiment la mobilisation générale et la priorité, la santé et la sécurité. L'étape 2, ça a été vraiment pour l'équipe RH de renforcer le dialogue social et la communication, parce qu'il faut maintenir, quand on a des salariés notamment en télétravail, et j'en avais plus de 1500, maintenir la communication et le sens d'appartenance. Et ce n'est pas simple de lutter contre l'isolement, parce que là, le télétravail, je vous le rappelle, généralement, c'est un jour par semaine, deux jours par semaine. Là, c'est cinq jours par semaine. Et dans des conditions qui ne sont pas celles du télétravail, parce qu'on va se le dire, la plupart des salariés ont leurs enfants, sur les genoux parfois, ou à côté d'eux, en train eux aussi de télétravailler avec leurs écoles. Donc, dans les sièges sociaux, on a mené des actions fortes pour maintenir la communication et le lien de proximité. Je vais vous en donner des exemples. Hein. Immédiatement, les RH, nous avons envoyé des communications aux managers en disant « Tous les matins, réunion Teams avec vos équipes. Vous devez vous assurer que vos équipes sont présentes, vont bien et qu'elles puissent travailler. Donc, s'il y a un seul problème, vous nous le remontez. » Tous les jours, les référents RH appellent le top management pour faire un point, là aussi, d'activité et autour de comment vont les salariés. On a envoyé des communications techniques, comme vous, sur les règles, évidemment, du gouvernement et leur application chez Cdiscount. Mais surtout, on a adapté nos process, décalage des prises de congés payés, qui n'était plus possible de prendre. Et en plus, nous avions de l'activité. Donc, il fallait qu'on continue à assurer l'activité. Et on ne pouvait pas laisser partir beaucoup de salariés en congé. Extension des périodes de réalisation des entretiens annuels. La vie continue. Il faut continuer les process RH, les entretiens annuels. Mais on a étendu la période. On a évidemment aussi décidé d'accompagner les salariés par des modules de e-learning. Donc, je vais vous donner des exemples. On a envoyé déjà 6 modules de e-learning pour accompagner les salariés en télétravail. Je vous donne des exemples des titres. Alors, je vais les lire. Hein. Aménagement de votre poste de travail à domicile. Comment aménager son poste de travail? Comment positionner son PC? Comment réussir à travailler dans des conditions à peu près idéales alors qu'on n'a pas tous les mêmes réalités dans nos maisons ou dans nos appartements? Comment être efficace en télétravail? Je télétravaille mes enfants aussi. Comment j'arrive à gérer mes enfants? Je garde le moral et je prends soin de moi. Nous avons aussi demandé aux managers d'assurer des plages horaires. Entre midi et deux, il faut une heure de coupure assurée dans chaque équipe pour qu'il n'y ait pas des réunions qui s'organisent en permanence, en Teams ou autre. Les spécificités de la communication à distance et l'intelligence émotionnelle, qui est le dernier module envoyé il y a peu, et on va continuer à envoyer des modules de ce type. On a évidemment aussi, il faut se le dire, on a parlé d'isolement. On a aussi assumé le fait qu'il pouvait y avoir des risques psychosociaux. Le salarié qui était en isolement, seul chez eux ou en difficulté. Donc, on a aussi communiqué les contacts, les numéros utiles, que ça soit interne, Cdiscount, assistante sociale qui travaille pour nous, médecin du travail, représentant du personnel, numéro d'écoute, mais aussi les numéros nationaux ou mis en place par la région Aquitaine pour que nos salariés puissent avoir des relais s'ils avaient besoin de s'exprimer parce que ce n'est pas donné à tout le monde de télétravailler tous les jours. Et on a maintenu le lien par des newsletters deux fois par semaine avec les informations sur le business,
sur nos actions citoyennes, sur les grands process RH, mais aussi un petit peu d'humour avec des sollicitations de salariés qui nous envoient des photos de ce qui se passe chez eux, de leurs enfants, de leurs chats. Enfin, voilà, parce que certains voyaient passer les chats devant leur PC. Donc, garder aussi de l'émotion dans la gestion quotidienne. Donc, ça, c'était très tourné pour les sièges sociaux. Les entrepôts, là, c'était vraiment le dialogue social avec les syndicats, une réunion minimum par semaine avec eux, des prises de poste tous les matins sur les règles et les communications et les règles barrières et la gestion sanitaire de l'entreprise avec des choix prioritaires sur la santé, même si ça impacte la productivité, on a baissé notre productivité. Des foires aux questions affichées sur les panneaux de direction pour que les salariés suivent toutes les questions qui nous remontent et on leur apporte des réponses. Et le top management, dont je faisais partie, je suis basée dans les entrepôts tous les jours depuis le 16 mars. Et nous descendons dans les entrepôts, parler aux salariés, aux intérimaires pour répondre à leurs questions. Les premières semaines, je ne vous cache pas qu'il y avait beaucoup d'anxiété. Aujourd'hui, c'est très apaisé depuis plusieurs semaines et très calme. C'est presque devenu le nouveau normal, comme disent parfois les salariés. Et on a aussi la fierté d'avoir maintenu le sentiment d'appartenance par des actions de protection, on l'a dit, de communication, de présence terrain. Des actions de citoyenneté, dont les salariés sont très fiers, des dons de masques au CHU, des dons de matériel à des EHPAD, par exemple, ou à des CHU, mais aussi la solidarité entre les sièges et les entrepôts. Je vais vous donner deux exemples qui ont été marquants, où même les salariés des entrepôts ont tenu à remercier et applaudir les sièges sociaux, parce qu'il y a une crise qui se crée, il y a une distanciation entre les sièges qui sont en télétravail et les entrepôts qui travaillent tous les jours au quotidien à continuer à servir nos clients. Eh bien, on a des volontaires des sièges sociaux qui sont venus physiquement dans les entrepôts aider sur des fonctions hygiène et sécurité, qui sont venus aider, qui sont venus sur le terrain, parler aux salariés, nous aider à faire les affichages, nous aider à mettre les consommables, les gels, les masques, voilà, tous ces sujets. On a plus de 25 volontaires des sièges sociaux présents sur site. Donc là aussi, les entrepôts ont trouvé ça magnifique. Et aussi une initiative des salariés des sièges qui ont souhaité donner des jours de congé pour leurs collègues des entrepôts, pour qu'à la sortie de la crise, les salariés des entrepôts aient des droits à des congés. Donc là, on a pu annoncer aux salariés des entrepôts qui ont travaillé physiquement qu'ils auraient 3 jours chacun offerts par leurs collègues des sièges sociaux. Et si maintenant je viens au recrutement, qui est une des questions que vous avez posées, on a maintenu tous nos engagements, nous continuons à en recruter, nous avons continué à intégrer pendant la phase de crise, alors différemment. L'informatique assure des permanences toutes les semaines et accueille les nouveaux, leur donne les PC, les dotes de système de télétravail. Et ils sont onboardés en télétravail. Je vous avoue que ce n'est pas idéal de ne pas avoir rencontré son manager, ses équipes, son RH, son payeur. Mais pour ce faire, on organise des Teams, des visios pour pouvoir les onboarder. Donc, on a réussi à le faire. On a stoppé un petit peu notre recrutement au début parce que la RH était mobilisée sur la crise sanitaire. Mais on a vite repris, d'abord sur les stagiaires et alternants, parce qu'il y avait beaucoup d'inquiétudes des stagiaires et alternants sur la capacité à trouver un stage ou une alternance. Donc, on a maintenu très vite ces recrutements. Et on a repris aussi les CDI et les CDD. Et évidemment, on apprend à onboarder à distance. Et maintenant que nous travaillons au déconfinement, qui va se faire à partir de la semaine prochaine, sur base du volontariat, on pourra aussi organiser des onboardings physiques pour les nouveaux embauchés. Donc, voilà un petit peu ce que je pouvais partager avec vous sur ces différents sujets du confinement et du déconfinement de ces discounts. Mais je pense que vous avez sûrement aussi des questions et on va se laisser le temps pour répondre à vos questions. Pas très bien. Ah. Non. Entend. Alors, moi, j'ai des questions devant moi, donc je peux peut-être en prendre. Voilà. Je quitte la scène si vous ne m'entendez pas. Ah, là, on entend mieux. Il y avait donc une question qui nous a été transmise sur comment voyez-vous l'avenir pour la formation en distanciel, 100% ou blended. Donc, je ne sais pas si Pôle emploi a une réponse à emporter, parce que vous faites beaucoup de formations. Côté Cdiscount, aujourd'hui, on vous l'a dit, on fait du e-learning. On est dans une phase de pandémie, on ne sait pas quand est-ce qu'on va sortir et quand est-ce qu'on va revenir physiquement tous ensemble au travail. Aujourd'hui, c'est qu'un certain nombre de salariés qui peuvent revenir. Donc oui, des formations en distanciel, en e-learning, c'est une certitude. Néanmoins, je donne l'exemple de Cdiscount. Nos salariés sont sur PC toute la journée. Donc très honnêtement, ils nous disent qu'ils aimeraient bien avoir des formations quand même en blended et avoir un peu de présentiel
qu'il faudra qu'on organise toujours avec les règles de sécurité. Donc, je ne crois pas au 100% distanciel, mais c'est mon expérience. Oui, ben, je peux peut-être compléter du côté des formations pour demandeurs d'emploi, mais du côté des organismes de formation. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de formations qui étaient en cours au moment du confinement, que ce soit dans les entreprises ou que ce soit en centre de formation. Et on a fait le point avec chaque organisme et chaque entreprise pour voir ce qui était possible de poursuivre en physique, parce qu'il y a des choses qui ont pu se poursuivre, notamment lorsque les formations étaient en stage en entreprise pour certaines entreprises, d'autres pas. Dans tous les cas de figure, on a cherché à maintenir les rémunérations des personnes sur la période. Et puis, les organismes de formation, on leur a demandé de nous faire une proposition sur ce qu'elles pouvaient maintenir à distance, là où elles faisaient du 100% physique jusqu'à présent. Et il y a une très forte réactivité d'issue des organismes de formation qui, très rapidement, ont pu faire la part des choses dans leur cahier des charges entre ce qu'elles pouvaient faire à distance, et on s'est aperçu que une majorité des contenus pouvaient être mis à distance, et d'autres choses qu'on avait reportées lorsqu'il s'agissait de mise en pratique ou sur les phases qu'on espérait la plus rapide possible, mais de déconfinement. Et donc, finalement, beaucoup de formations qui ont pu se poursuivre. En parallèle, on a proposé des formations 100% numériques pour un certain nombre de demandeurs d'emploi. Mais il ne faut pas se mentir, à la fois, le numérique ne fait pas tout. Il faut de la pratique pour un certain nombre de métiers, bien entendu. Et puis, pour un certain nombre de demandeurs d'emploi, et je pense aussi de salariés, l'aisance vis-à-vis du numérique est pas évidente pour tout le monde. Et même si la période a permis à tout le monde de faire un saut qualitatif sur le sujet, c'est important de garder un lien physique. Donc, on est résolument pour à la fois garder cet acquis du numérique, mais avoir un mix physique-numérique dans le futur. Alors, je viens de recevoir deux questions sur par rapport aux entrepôts, avec quel type de profil recruter en priorité et vous recrutez dans les entrepôts. Donc, je vais y répondre. Donc, nous recrutons au sens large, c'est Cdiscount, des profils de chef de projet, des profils à l'informatique, des profils aussi côté offre, donc achat, marketing, data. Donc, tous les types de profils sont recherchés, tous nos postes sur notre site de recrutement Cdiscount recrute. Et nous recrutons, alors en ce moment en entrepôt, plutôt via agence d'intérim, nos campagnes de recrutement CDI ne sont pas en ce moment, mais on a besoin d'intérimaires et on travaille avec des partenaires d'entreprises travail temporaire. Donc, vous pouvez aussi passer par ces agences si vous recherchez de l'intérim. Il y avait une autre question de formation sur le dispositif formation FNE. Est-ce qu'il est important dans la montée en compétences des salariés en chômage partiel ? Donc là, je vais répondre aussi pour ces discounts. Il se trouve que nous n'avons pas eu recours ou très peu recours à l'activité partielle. On devait avoir une soixantaine de profils maximum, puisque notre activité à contenu, ce ne sont vraiment que de façon très ponctuelle le magasin du Bousca qui a dû fermer, des activités de services généraux, d'accueil, de courrier. Donc, on a eu très peu recours à ces formations, mais peut-être que Pôle emploi a une meilleure vision. Je pense que c'est quand même un dispositif qui a donné de l'air à beaucoup d'entreprises. Oui, c'est vrai que sur la période de chômage partiel, on invitait à la fois les salariés à pouvoir exercer d'autres activités. C'était autorisé et certains en ont profité pour donner un coup de main dans les champs, sur les récoltes, et c'était plutôt bienvenu. Et puis, évidemment, la formation, c'est l'idéal pour pouvoir passer ces périodes-là et entretenir ses compétences. Les dispositifs FNE ne sont pas gérés par Pôle emploi, ils sont gérés par la Direct, et qui nous rappelle qu'effectivement, pour les entreprises qui n'y auraient pas recours ou qui n'auraient pas l'habitude, elles peuvent faire leur demande à la Direct, qui se met en lien avec l'OPCO pour les différents dispositifs administratifs et de financement. Ok. J'ai une autre question qui est, est-ce que les nouvelles consignes de travail en entreprise ont un impact négatif sur les embauches ? Alors, je ne sais pas si Pôle emploi a une vision là-dessus. Nous, ça n'a pas d'impact négatif sur les embauches puisque c'est vraiment lié à notre activité. Comme on vous l'a dit, on arrive à travailler en télétravail, on n'a pas eu d'impact majeur, donc ça ne freinera pas nos embauches. Ce qui impacte nos embauches, c'est notre activité et notre croissance. Voilà. Je l'évoquais un petit peu dans ma présentation tout à l'heure. La bonne nouvelle ou la bonne surprise, ça a été qu'effectivement, on a pu satisfaire
les recrutements durant la période à la même hauteur que ce qui se passait auparavant, avec des profils différents, hein, des gens qui étaient motivés pour venir travailler dans ces périodes-là. Donc, la question, c'est moins de savoir si on n'arrivera pas à trouver, mais de créer les conditions pour que les personnes aient envie d'intégrer l'entreprise. Donc, je le disais, les conditions sanitaires en font partie, et puis les conditions proposées aux salariés également. Alors, je vois, j'ai encore d'autres questions. Est-ce qu'effectivement, on continue à privilégier le télétravail même en cette période de déconfinement ? Donc, très clairement, c'est Cdiscount, on est encore en télétravail puisque nous n'avons pas déconfiné dans les sièges sociaux. Hein. Je ne parle pas des entrepôts qui n'ont jamais arrêté de travailler, mais les sièges sociaux sont toujours en télétravail. Le principe général reste le télétravail. Et à partir de la semaine prochaine, du 2 juin, nous allons progressivement reprendre le travail, mais on va faire revenir 10-15% maximum de salariés pour déjà, sur base du volontariat, ceux qui veulent revenir, qui veulent déconfiner, alors même si on n'est plus confiné nationalement, mais qui veulent quitter leur appartement ou leur maison et qui veulent revenir au travail. Et ça va nous permettre de tester toutes les procédures qu'on a mises en place dans nos bâtiments, puisque vous imaginez, il y a aussi une question sur les difficultés du retour au travail. Ben, c'est une nouvelle vie au travail qu'il faut aborder. C'est plus comme avant. On ne se retrouve pas avec tous les camarades à la machine à café, dans les réfectoires, de la même façon. On revient au travail, mais en respectant des normes strictes sécuritaires pour se protéger et pour protéger les autres. Donc voilà, donc on est toujours en télétravail et on va faire revenir 10-15%, puis on va monter progressivement sur l'été. Mais de toute façon, aujourd'hui, avec la crise sanitaire et les règles du gouvernement, il n'est pas possible de faire revenir 100% des salariés tout en respectant les jauges réglementaires de distance sociale. Vous savez, vous avez entendu parler de ce 1 mètre de distance, mais aussi 4 mètres carrés par salarié. Donc voilà, télétravail, c'est la norme. Je peux peut-être donner l'illustration aussi à Pôle emploi en tant qu'employeur, puisque nous avons 1000 salariés en Gironde et que lorsqu'on a commencé à réfléchir au déconfinement, on s'est associé quelques conseillers dans chaque agence, puisque nous avons une action importante d'accueil qui a été suspendue physiquement pendant la période. Et la première semaine, du 11 au 18, ça a été une période justement de préparation et de réflexion autour des éléments que vous venez d'évoquer, Nathalie, sur comment est-ce qu'on utilise les locaux, comment est-ce qu'on circule, combien de personnes peuvent rentrer à la fois dans les locaux, comment on déjeune dans les cafétérias, enfin, tous ces systèmes-là où ben voilà, on fait des tours pour utiliser la cafétéria, on a des places pour les équipes 1 et les équipes 2, enfin, tous ces sujets-là qui sont très concrets et très importants pour rassurer. C'est vrai que les salariés, dans un premier temps, n'étaient pas forcément rassurés de revenir au travail, même si, au bout d'un moment, le télétravail pèse à certains. Donc, il y avait cette ambivalence autour de ça. Et puis, comme Cdiscount, on a monté en puissance la dotation d'ordinateurs portables pour permettre à beaucoup de télétravailler. Et aujourd'hui, on est installé maintenant sur un rythme où 20-30% des salariés viennent sur le site pour réaliser les actions d'accueil prioritaires. Et les deux tiers qui restent sont en télétravail avec des équipes qui tournent à la journée ou à la semaine selon les endroits. Voilà, ça sort un peu pareil chez nous. J'ai une autre question qui est retour en présentiel sur la base du volontariat. Est-ce qu'il y a une prime de présence ou reprise, ou de reprise qui est d'actualité, ou pour récompenser ceux qui ont dû maintenir une présence sur site, entrepôts, services généraux ? Donc moi, je vais y répondre. Donc, on n'a pas prévu pour ceux qui vont revenir de prime de présence. Très clairement, alors je vais le dire, on considère déjà qu'ils ont eu l'opportunité d'être en télétravail et que là, sur base de volontariat, on va faire revenir les salariés. Et à un moment donné, il faut qu'il y ait une reprise progressive du travail, des habitudes de travail. Et on ne souhaite pas donner de prime ou d'incentive au retour du travail qui est juste normal, même si, encore une fois, notre obligation en tant qu'employeur, c'est d'assurer la santé et la sécurité et ça sera notre priorité. Par contre, sur votre deuxième partie de question, c'était est-ce qu'on a récompensé ceux qui ont maintenu une présence sur site ? Et la réponse est oui. Là, pour le coup, on a considéré qu'à la fois, l'entreprise n'était pas le lieu de tous les dangers. Donc, ce n'était pas une prime de risque, je le dis, parce que ça a été souvent porté dans la presse, mais ça a été plutôt une prime de récompense à ceux qui ont assuré la continuité d'activité physiquement et avec des contraintes de travail très importantes, dans les entrepôts notamment, avec des règles très contraignantes, avec le port du masque en permanence, avec des prises de température, avec voilà, beaucoup de consignes.
Et donc, on a souhaité les récompenser pour ceux qui venaient physiquement sur site par une prime qui va d'ailleurs être payée sur le mois de mai et qu'on a pu, enfin, sur laquelle on a pu échanger avec nos représentants du personnel il y a quelques semaines. Voilà. De notre côté, pour nos salariés, la question du volontariat s'est posée parce que certains sont volontaires pour revenir et préfèrent travailler en physique, je l'évoquais. On n'a pas souhaité travailler sur cette base du volontariat parce que, comme vous le disiez, chacun doit reprendre son activité le plus normalement possible. Et même plus que ça, au bout de quelques jours, j'ai des salariés qui nous ont remercié de les avoir quelque part imposé de revenir sur site un jour ou deux par semaine parce qu'ils se faisaient tout un monde de revenir. Il y avait beaucoup d'angoisse pour certains à reprendre la route du travail. Et finalement, ça a permis, une fois qu'ils ont vu toutes les conditions sanitaires qui étaient mises en place, les masques, les visières pour ceux qui sont au contact du public, les éléments d'espacement qu'on évoquait, finalement, ça a démystifié ce retour au travail et ça les a beaucoup apaisés. Donc, c'est plutôt une bonne chose, à mon sens, d'amener chacun à revenir. Ça peut être à un rythme différent, mais en tout cas, que tout le monde reprenne le chemin d'une activité normale. C'est la même chose chez nous. On va commencer par volontariat, puis évidemment, à un moment donné, il faudra passer au retour à l'activité. Il y a une question sur intégration des salariés à distance, maintien de la motivation, implication des salariés. J'ai un petit peu répondu, je pense, dans ma présentation, en tout cas sur ce qu'on a fait chez Cdiscount. Mais clairement, le déconfinement va nous permettre potentiellement de faire des intégrations physiques. Donc là, on a des gens qui vont rentrer, leurs managers ou leurs équipes viendront sur site pour qu'ils puissent se voir au moins un jour ou deux jours. Et effectivement, on pense que c'est nécessaire de retrouver du lien social, parce que 5 jours à distance, c'est quand même très compliqué, donc j'en parlais. Les systèmes de motivation, c'est maintenir le lien, l'information sur l'entreprise, des formations à distance, de la bienveillance. Je ne l'ai pas dit, mais la bienveillance de nos managers, on a axé énormément sur la bienveillance des managers, parce que ce n'était pas tout à fait du télétravail. Hein. C'est du télétravail dans des conditions pas simples, avec souvent les enfants à côté. Donc, tous nos managers, on a été très clairs sur le fait qu'ils devaient accepter que les amplitudes horaires étaient différentes, que par moment, des réunions ne seraient pas aussi productives que d'habitude, hein, parce que il y avait des enfants. Il fallait arrêter aussi les réunions pour qu'on puisse assurer le fait d'aller nourrir nos enfants le midi. Donc c'est aussi, je pense, ce qui est important, c'est de montrer de la bienveillance, de l'accompagnement, de la communication. Mais je pense que le retour à un peu de présence physique sera quand même nécessaire sur la durée, parce que ce lien à l'entreprise et à ses équipes est important. Et est-ce que j'ai d'autres questions? Je regarde, il doit y en avoir d'autres. Ouais. Aborder les difficultés en période de déconfinement, on vient d'en parler, hein, toutes les mesures sanitaires, donc je crois que c'est ce qu'on a abordé. Je vois qu'il y a une question sur les formations de Pôle emploi en ligne. Sont-elles gratuites? Oui, toutes les formations de Pôle emploi sont gratuites. Certaines sont accessibles directement en ligne sur auto-inscription. D'autres nécessitent d'être en contact avec son conseiller. Mais le principe, c'est que la formation est gratuite et dans un certain nombre de cas, même rémunérée pour la personne. Très bien. Est-ce que vous m'entendez cette fois? Oui. Oui. La dernière question, mais je pense, Nathalie, qu'elle a déjà été abordée. En cette période propice au team building, qui est la période de juin, avez-vous des visions sur des solutions pour garder la cohésion et le lien? À ce stade, on n'a pas prévu de team building physique. Donc, on est plutôt, et on a demandé à nos équipes d'organiser, comme on le disait, des réunions Teams, des moments aussi, je ne l'ai pas cité, mais dans nos communications, on a aussi partagé les expériences de certaines équipes qui organisent des pauses café en même temps par Teams. Alors, c'est un peu différent d'habitude, mais il faut être innovant dans cette période, effectivement, dans la gestion à distance. Et on va commencer à regarder aussi, dans le cadre du déconfinement progressif, si on ne va pas faire revenir, alors là on démarre, on l'a dit, sur du volontariat, mais après, faire revenir des équipes, des sous-équipes, pour qu'elles soient dans les bâtiments et qu'elles puissent retrouver du lien. Donc, c'est des sujets qu'on commence à aborder et qu'on va organiser sur l'été. Benoît Meyer, une question qui s'adresse à vous. Cette période a montré d'autant plus les inégalités d'accès au numérique des demandeurs d'emploi. Avez-vous idée de comment résoudre, réfléchir sur l'amélioration de ce problème de fracture numérique? Oui, évidemment, ça a montré des aspects très paradoxaux du numérique, à la fois
le fait que c'est une solution, hein, et on l'a bien évoqué avec le télétravail, ça a été une solution pour nous. On a poursuivi notre activité presque normalement, sauf qu'effectivement, on ne pouvait plus recevoir en public, le public en physique. Donc, c'est une solution numérique. C'est un incontournable sur le marché du travail. C'est un incontournable dans à peu près tous les métiers, hein, et pas seulement les métiers spécialisés dans le domaine. Donc, c'est aujourd'hui un point très important. À Pôle emploi, ça fait plusieurs années qu'on travaille sur la formation numérique, l'accompagnement des demandeurs d'emploi au numérique. Dans cette période particulière, on s'est aperçu que finalement, certaines personnes qui avaient l'habitude de se déplacer dans nos agences et d'avoir un appui pour utiliser le numérique, on fait l'effort peut-être un peu plus important pour essayer de l'utiliser en autonomie. Mais évidemment, un certain nombre d'entre elles également ont été coupées de beaucoup de services parce qu'ils n'arrivent pas à l'utiliser. Donc, la solution, elle est dans l'approfondissement et l'enrichissement de ce qu'on fait avec beaucoup de partenaires et ce que font beaucoup d'acteurs sur le territoire. C'est identifier les personnes qui ont besoin, les sensibiliser à l'importance des pratiques du numérique et les accompagner par une pratique quotidienne, par de la formation. Quand je dis une pratique quotidienne, c'est sur le fait de chercher à les rendre autonomes sur l'utilisation dans les démarches de tous les jours de ces outils. Donc, c'est la formation, c'est l'accompagnement qui nous permettra à la longue d'arriver à faire réduire cette fracture du numérique. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais je pense quand même qu'on progresse sur le sujet. Nathalie, d'ailleurs, je pense que Cdiscount a un petit témoignage à apporter sur l'assistance à la digitalisation dans cette aventure de la marketplace qui a permis à grand nombre d'entreprises de pouvoir commercialiser leurs biens sur leur marketplace. Oui. Oui, ce que je partageais, effectivement, beaucoup d'entreprises ont perdu leur pas de porte, hein, leur vitrine et leur capacité d'accueil. Donc, effectivement, sur nos 12 000 vendeurs, on a 5 000 TPE et PME. Et dès le début de la crise, on a organisé des pratiques pour aider d'autres entreprises plus facilement à rentrer sur notre site avec l'adaptation de nos processus, avec une équipe dédiée pour qu'elles puissent vite monter effectivement sur notre site et continuer à vendre puisqu'elles pouvaient assurer souvent la logistique par elles-mêmes, mais elles n'avaient plus finalement de vitrine, elles n'avaient plus de moyens de vendre leurs produits. Donc, on a beaucoup accompagné les entreprises et comme on l'a dit aussi, on a vu que la digitalisation s'est démocratisée, vous avez dû voir, hein, avec les téléconsultations médicales, avec des activités comme des cours en ligne. Hein. On a continué le sport, on a continué les cours de cuisine. Donc, on a lancé aussi tout ça sur notre site. Honnêtement, les enquêtes démontrent qu'une majorité des Français avouent être aujourd'hui beaucoup plus acculturés au digital et que ça va continuer. La réalité, c'est que sûrement, on a fait même un très grand bond, forcé et contraint, mais un très grand bond très rapide. Donc finalement, je pense qu'on peut retenir des enseignements très, très riches de cette période de crise, à la fois pour les entreprises qui ont peut-être revu un peu leurs exigences dans leur recrutement pour répondre à des besoins immédiats et importants. Ça serait effectivement un bel exemple à retenir pour que ces entreprises revoient leur façon de recruter. L'exemple de Cdiscount est un très bel exemple d'adaptation aussi. Je pense que cette aventure vous a permis de renforcer le lien entre les salariés et toutes vos équipes. Merci à tous les deux pour vos interventions, vos éclairages et les réponses que vous avez apportées. Il est 11 heures, on va essayer de se tenir aux horaires qu'on avait annoncés. Je voulais simplement profiter de l'occasion pour vous inviter à vous inscrire à notre prochain webinaire. Jeudi 4 juin à 11 heures, nous avons le plaisir de recevoir Philippe de Sertine, qui nous apportera son analyse à la question « La crise et après ». Voilà, donc une intervention qui risque d'être très riche également.
Merci à tous d'avoir été présents ce matin. Si vous avez d'autres questions auxquelles on n'aura pas répondu, s'il y en a une sur une question concernant une alternance, je profite de l'occasion pour dire que la Maison de l'Emploi organise le salon de recrutement en alternance du 16 au 19 juin, un salon 100% online. Donc, regardez sur le site de la Maison de l'Emploi et vous pourrez déposer votre candidature. Voilà, si d'autres questions sont restées en suspens, n'hésitez pas à nous les faire parvenir et nous y répondrons bien sûr avec plaisir. Voilà, nous restons à vos côtés, vous le savez, à votre écoute. Merci à tous, merci Nathalie Estrada, merci Benoît Meyer. Bonne journée à tous et je vous dis à bientôt. Merci. Si. Merci. Au revoir. Au revoir.